Ok. Bon, on continue. Du coup, ça va pas être des games full kill et tout. Mais on continue la découverte de la map et notamment de cet endroit qui, je pense, a un énorme potentiel pour le tryhard surtout. Vraiment pour le tryhard. Parce que c'est un endroit qui est full coffre, full structures. Il y a un distributeur, il y a une dizaine de coffres juste là. Il y a un moyen de rotation assez incroyable. Un nombre de rotations assez incroyable. Overboard, quad, tyrolienne, geyser, ETC. Bon, pardon, va falloir que je traîne un peu le saut, quoi, parce que. C'est clairement pas ça pour l'instant. Je le prends juste pour pas le laisser. Alors déjà, vous avez vu un coffre assez rapidement. Voilà. Bon, là normalement il y en a trois, mais je pense qu'il n'y en a qu'un seul en tout. Ouais, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Alors, on va faire ça, ça. Et puis on est souvent seul, je sais pas pourquoi. Très rarement eu des concurrents ici là. Bon, vous voyez, hein, forcément, arbre. Arbre et fer ici, c'est la folie. La folie furieuse. Pour l'instant, on va faire ça. On va virer cette merde. On va prendre ça. Allez, encore un overboard. Ici, il y a trois coffres potentiels aussi dans cet endroit. Là, on en a deux déjà. Wesh, il est où? Il est au-dessus, je crois. Là, je connais pas encore super bien. C'est pour ça que je galère. Mais il est où? En effet, il est en haut. Il y a trois coffres ici dans cet endroit normalement. Enfin, ça fait plaisir. Ouais, je vais virer ça là, on s'en fout. Dans cette salle, je crois qu'il n'y a que deux coffres par contre. Mais il y a pas mal de spawn d'armes. Bon, là en l'occurrence, il y en a un là normalement, là où je viens de taper, et un là-haut aussi, mais il n'y est pas. Ok, j'ai des petits freeze là, c'est un peu chiant. Et après là, pareil, il y en a deux, je crois. Il y a un gars qui vient de passer au-dessus de nous, hein, on l'a vu. Évidemment. Il y a deux coffres ici. Donc en tout, ça fait 3 au début, 3 là, 2. Ça fait 6, 8. Je crois qu'il y a 10 coffres, ouais. C'est ça, 10 coffres ici. 10 ou plus quoi, 10 minimum. Après, je sais pas si à chaque fois ils. Je les ai pas eu en entier à chaque fois, forcément, c'est aléatoire. Il y en a qui spawnent, il y en a qui spawnent pas. Je vais prendre ça. C'est puissant. Et on va se barrer, écoute. Voilà. Ça, c'est pas très discret. La zone est loin, c'est ce que je voulais tester. Voir les rotations. À vrai dire, j'ai jamais eu la zone très éloignée. Là, c'est cool de pouvoir tester si c'est la merde. En tout cas, on voit que je l'ai looté très rapidement. C'est parce que c'est très rapide à looter. Avec le multiplicateur du farming, pareil. On arrive à monter très vite. Le seul bémol ici, c'est qu'il n'y a pas de pierre. Et aussi, si vous êtes un slayer, vous allez probablement vous ennuyer. C'est pareil, pas trop d'ennemis non plus. Alors vous voyez des quads. Je cherche un overboard parce que c'est mieux que les quads. Ah ouais, distributeur aussi. Voilà, il y a un distributeur aussi. Overboard. Ah, il y en a là. Let's go, allez, on se casse.
Faudrait essayer de trouver un endroit où il y a du caillou. Ben là. Juste ici à côté du coup. Hop là, on se calme. Et encore. Nice. Ah vous voyez hein, en 2 secondes j'ai pu monter à 200 quand même. Après ouais sur ici là en suivant cette route que je prends, il y a d'autres pierres à taper. Donc en gros on peut vraiment partir ici d'ici de full farm. Full farm, full stuff. Voilà, pas mal quand même. Regardez ça. Donc pour rotate, vous voyez hein, j'ai l'overboard, il y a les geysers un peu partout. Il y a aussi un fort de pirates qui est là, devant nous, on va y aller. Au cas où, vous êtes vraiment dans la merde. Que vous êtes vraiment dans la merde, vous pouvez vous propulser. Oui, en effet, c'est quand même extrêmement. Vous voyez ici là le fort de pirates. Après la zone est quand même assez loin, donc je vais pas le faire. Je pense que c'est quand même plus intéressant l'overboard. $1 500 000. YOLO. Me fait shooter là. Pas très agréable quand même. Bon, on va lâcher ça. Wesh. Bon, après là le but, je vous dis, c'est de continuer la découverte. C'est pas forcément de faire des giga games. Oh. De toute façon là en ce moment pour faire des games c'est pas, y a pas le level, faut se l'avouer. Ah. Non mais t'es sérieux là? Wesh, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Oh aïe 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 aïe. Eh c'est backstab sur backstab, je me suis fait carotte comme une kill là dans l'histoire. Incroyable ça. Je les ai tous arrachés et j'ai qu'un kill. Vas-y hein. La zone elle est longue, j'ai pas checké. Ah oui un petit peu.
Est-ce qu'il y a une drop? Non, y a pas de drop. On est en restant bien que mal. On va à l'overboard. Franchement, Epic Game, je pensais que vous alliez l'enlever. Vous m'avez compris? Vous allez lier. Enfin voilà, je croyais que vous allez le faire disparaître, l'enlever. Mais il faut pas ça. Hein. Il faut pas, hein. Guys. Ouais, du coup, quand je me demandais les bruits là, les bruits que ça faisait quand on tuait des adversaires, enfin pas quand on tuait mais quand on les fightait, en fait il y a un des bruits qui est dû à au fait que enfin, c'est un son en fait qui apparaît quand tu pètes un shield. Quand tu fais éclater le shield de ton adversaire, c'est ça le son là, le ting. Wesh. Je suis un peu trop agressif, je crois. Genre là, le mec aurait pu mettre un... Il avait quoi comme pompe? Ouais. Il aurait pas pu m'OS, mais il aurait pu me faire très mal quand même. Mais il faut, parce que je suis pas du tout en confiance en ce moment. Donc il faut casser des culs, guys. Super. Puis là au moment où je descends. Bon ça va. C'est vrai que tu as fait de la merde. Le poisson assassin. Dommage. On a deux là. Il en reste 8 encore. Ce serait cool d'essayer de faire notre premier top 1 de la nouvelle saison, écoute. Oh bah, j'ai tiré quand même merde, d'accord, mais bon, quand même. Il y a un mec derrière aussi là. Vas-y, mais mange-toi la balle. Mange-toi ma balle. Ah, ça a failli. Ah. Non, ça c'était loin, ça. Un vrai de vrai, ça c'était loin. Il a quand même chaud au cul depuis tout à l'heure. Hein. Oh. Toujours pas fini ça. Hein. C'est un petit tricks quand même. C'est pas une super bonne idée mais... Olé.
encore des mecs qui se battent aux pompes là. 6. Un mec là-bas en... en barrette. C'est quoi ça? D'accord. Ouais, ça c'est le bruit du shield qui a pété. Ça c'est le bruit de la mort. Ah, dommage que j'ai pas rechargé assez vite. Il va devoir venir, là, c'est obligé, hein. D'accord. C'est vrai qu'il y a cette possibilité. Il est où? Je pensais qu'il allait vers là. Hein. J'ai 9 feux de camp, 6 tremplins. Non. Quand même. Manque d'explosifs, hein. Bon. Oh le bâtard. Calme. Putain, c'était full au hasard quoi. Il y avait un gros shield par là-bas. Vas-y, finalement j'allais le prendre. Hein. Je sais plus s'il est en zone, je suis pas sûr en fait. Ah, je crois pas. Il reste 3 joueurs. Il aurait pu me fumer lui. Hein. Mais vas-y les mecs, ils... c'est quoi ça là? C'est un scream wesh. Ou les... C'est un son qu'on aime pas entendre. Moi ouais, ça va, c'est plutôt une bonne petite game, y'a quoi là? Y'a pas un piège qui va nous... nous faire regretter d'être là. Non. Vous voyez la pièce, c'est moins, moins dangereux. Vas-y, mais monte ta tête quand je te regarde. Parce qu'il faudrait pas que j'aille me joindre à cette merde. Non mais pourquoi je sautille comme ça? Aïe 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 aïe. Putain je suis con, je l'avais fumé. Il avait combien? Il avait 50 HP mec. Bon, tant pis, on a quand même bien pu parler des nouveautés. Notamment du bruit, du fameux bruit du shield qui paraissait bizarre au début. Et puis voilà, y a ça déjà après le top 1, ça fait chier, j'aurais pu. Erreur. My bad bro, my bad guys. Donc, bah, ça sera tout pour cette vidéo. Il n'y aura pas de top 1 encore. À la recherche du top 1 de la saison 8. On va essayer. Allez, ciao guys.